Eh bien, je vous ouvre grand les portes de mon univers magique et c'est ici, à la Maison du Patrimoine de Comines, que vous allez découvrir cette exposition qui m'est consacrée. Nous allons ensemble partir à la rencontre des grandes périodes qui ont marqué l'histoire de la magie, notamment la découverte du premier tour de magie sur un papyrus, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ, la magie dans la rue, avec l'œuvre de Jérôme Bosch pendant le Moyen-Âge, puis son évolution, où la magie a évolué, elle est partie de la rue pour aller jusqu'à la cour des rois pendant la Renaissance. On va ensemble découvrir le français, originaire de Blois, c'est Robert Houdin. Et c'est vraiment lui qui a révolutionné la façon de faire la magie. On va ensemble également rencontrer un Autrichien qui a marqué la magie. C'était le roi de l'escapologie, les évasions spectaculaires du légendaire Harry Houdini. Et je vous ai apporté également quelques-unes des grandes illusions qui m'ont marqué, notamment ce numéro où ma grand-mère rentrait dans un sarcophage, mon grand-père s'amusait à y insérer plein d'épées, et la particularité de ce tour, c'est qu'aucun accessoire n'est truqué. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et le grand classique de la magie, la célèbre illusion de la femme coupée en deux. Vous avez ici une version que mes parents présentaient. Je me suis amusé à l'âge de 15 ans à découper mon petit frère en deux. Et j'ai même découpé sur la scène du théâtre Sébastopol Stéphane Bern avec cette grande scie circulaire. À côté trône la Miss Med. C'est une illusion où une partenaire rentre et on la découpe en quatre morceaux. Ici, vous avez quelques affiches, notamment celle de la coupole où j'avais traversé la matière. Et également, le tableau qui a été peint par Roy, c'était sur la scène de l'Issa Arena, à l'occasion du premier festival de magie de Comines. Ici, quelques photos, quelques anecdotes, notamment ma rencontre avec l'illusionniste américain David Copperfield, c'était à Las Vegas, il y a environ 10 ans. Et ici, vous avez des photos de famille, notamment l'affiche de mon grand-père Falceno. Et c'est lui qui nous a transmis cette passion, ce goût pour le spectacle, ce chromosome magique en quelque sorte. Et quel plaisir de vous partager ma passion pour la magie, ici, à la Maison du Patrimoine de Comines, pendant tout le mois de décembre, à l'occasion de cette exposition. Je vous dis à très vite et rendez-vous à Comines.